Salut, nos chers internautes et les abonnés de la chaîne JBS Pro TV. Et bien, nous voilà encore dans ce tutoriel dont nombre de nos abonnés nous ont contactés en privé par rapport au fichier VPN, par rapport à l'application VPN. Stack VPN Reloaded qui ne fonctionne pas. Alors j'aimerais tirer un point ici juste pour vous montrer comment vous connecter au cas où l'application ne marche pas ou ne marche plus, parce que ça a un fichier, ça les fichiers ça a un délai de limité. Ok, alors je vais vous montrer quelques manœuvres pour que vous puissiez faire chez vous et au cas où l'application ne marche pas. Alors pour sans plus tarder, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels à venir. Et sans plus tarder, nous pouvons commencer notre tutoriel ou notre cours. Alors, je ne serai pas trop long parce que c'est une preuve à l'appui. Alors, premièrement, si l'application a déjà bien été installée, okay, notre application se trouve là. Okay. Alors, vous maintenez l'application, ok? Vous ne pouvez pas juste vous maintenez l'application. Vous maintenez l'application et vous allez là où on a écrit info. Là, info. Pas ici. Pas sur les installations. Juste sur info. Vous cliquez sur info, ok? Et vous allez cliquer sur espace de stockage et cache. Okay. Espace de stockage cache et juste en bas là on a écrit vider l'espace de stockage. Ok, vous cliquez et ensuite sur OK. Donc vous donnez des certifications, fichier d'achetage, base de données, serveur définitivement sécurisé. Donc vous cliquez sur OK. Ok, automatiquement vous voyez que là on a écrit données de l'utilisateur, nous avons 0 bits et la cache aussi. C'est écrit 0 bits, donc c'est bon. On va sortir. Okay. Alors, une fois que vous avez supprimé les caches, il nous reste maintenant à ouvrir notre application. Vous ouvrez votre application. Là, autorisez Stack VPN Reload à vous envoyer une application. Ok. We have a Telegram channel where we post important things. Apple updates and provide support for user. Do you like choose to join us? Là, c'est une chaîne de Telegram pour suivre les informations, toutes les actualités. Alors, vous pouvez soit cliquer sur yes. Mais dans mon cas, moi, je clique sur non parce que j'en ai déjà. Je suis déjà abonné à cette chaîne. Alors, vous allez constater que juste là, nous avons 0 bits et 0 bits. Et là, le statut est non connected. Ok? Mais aussi là, nous voyons que c'est non or direct. Alors, retenez ceci. Si vous êtes dans les contrées loin de la RDC, genre. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, Niger, ainsi de suite, Brazzaville, où je sais moi où vous trouvez. Alors les fichiers que j'utilise ici, les fichiers, l'host du fichier c'est pour les réseaux Vodacom, ok? C'est pour les réseaux Vodacom. Donc vous qui êtes loin de la RDC, en dehors de la RDC, vous devez vous connecter à un réseau Wi-Fi
ou plutôt un ami pouvait vous faire le partage de sa connexion Internet. Et une fois connecté sur le réseau d'un ami, vous ouvrez votre application, okay, et vous allez cliquer ici. Là, on a écrit, vous allez cliquer ici. Okay, là, None or Direct. Okay. Vous cliquez là. Et ensuite, vous venez cliquer ici. Là, on a écrit Update ou Mise à jour. Vous voyez, vous avez remarqué qu'ici, il y a 00. Okay. Ça, c'est l'option. Donc, vous allez cliquer là. Vous qui êtes loin de quoi? Loin de la RDC. Mais aussi, vous qui êtes en RDC et que vous voulez utiliser le réseau Orange ou plutôt Africell ou Airtel. Eh bien, vous allez aussi faire pareil, ok? Si vous voulez que le fichier, que l'application puisse fonctionner. Donc, en fait, quand vous cliquez là, par exemple, moi, je peux vous montrer, espérant que. Attends, je clique là, ok? Là, je n'ai pas des mégas, hein, rassurez-vous. Donc, j'ouvre mon point d'accès et je clique sur Updates, ok? Checking for updates, please wait. Ok, on attend, on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. Voilà, update error occurrence. Donc, occurrence, cela veut dire que non. Apparemment, il n'y a pas la, y a pas de, y a pas de connexion. En fait, il n'y a pas de méga sur dans le réseau dans ma carte SIM, mais d'accord, non? Donc, alors, vous devez avoir, comme je vous ai dit là, vous connectez à un réseau Wi-Fi d'un ami. Et une fois que vous cliquez sur Update, vous allez voir une liste de serveurs, ok? Par exemple, je sais pas si j'en ai ici. Attendez que je vous montre, ok? Telegram. Voilà. Vous voyez là, on a écrit New Twinks Added. Okay. Donc, si vous cliquez dans Updates, ils vont vous apporter ces fichiers. Vous voyez, tous ces fichiers de votre pays, genre, et aussi des fichiers Tigo Free et aussi des fichiers MTN. Attendez. MTN, voilà, vous voyez là, Ouganda, il y a le fichier réseau MTN, je ne sais pas si c'est le Zambie, Azure, Guatemala, ok. Donc, vous allez comprendre que ce tutoriel, c'est pour vous qui l'application ne vous dérange de se connecter. Donc, c'est votre tutoriel aussi. Alors, maintenant, essayons de se connecter. Donc, retenez bien que non, on avait commencé ici. Hein, on a maintenu l'application, on est allé sur information, espace de stockage, voilà. Vous voyez les données cryptées, il y a quelques mégas, hein, donc c'est parce que j'ai ouvert ma connexion. Hein. Donc il suffit de fermer, de cliquer sur vider l'espace de stockage de cache. Ok, voilà 00. Et c'est parti. Alors, vous ouvrez votre. Retenez bien que la carte SIM que j'utilise Vodacom se trouve dans la poche SIM 2. La poche SIM 2. Et le SIM 1 se trouve orange. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je clique sur autoriser et non. Alors, vous importez le fichier. Okay? Vous importez le fichier. Et ensuite, vous allez cliquer sur Toggle Animations. Là, cliquez là pour que l'icône puisse tourner. Donc là, c'est l'animation, c'est pas obligatoire. Et vous recliquez encore sur les trois points, les trois barres. Et là, vous cliquez sur
import setting. Ok. Import setting. Et vous importez les fichiers. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous ouvrez votre connexion. Les fichiers, c'est pour le réseau Vodacom. Voilà. Rassurez-vous que je n'ai pas de méta. Et là, vous cliquez sur le bouton. Alors, vous allez remarquer qu'ici, ça commence à compter. Donc, c'est déjà un bon signe. De que le compteur passe de 0 à 216 bits ou quelque chose comme ça. Et que vous allez remarquer ici, ok, attendez, voilà, voilà, connexion error et reconnecting. Donc, en fait, l'application essaie de se connecter à ces réseaux VPN. Donc, vous allez juste patienter et aussi veiller à ce que vous voyez juste le valeur là, ça va changer, ça va commencer à changer. Hein. Donc là, vous patientez. Mais une chose, dès que vous cliquez sur le bouton d'allumage de l'application et que les compteurs ne passent pas à 216 bits, vous voyez là, ça s'arrête. Je reclique encore, donc pour avoir la patience. Hein. Alors, je disais, une fois que vous cliquez sur les boutons et que les compteurs ne passent pas ou ne changent pas de 0 à 216 ou de 0 à quelques bits, rassurez-vous que vous devez et fermer l'application. Voilà, 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 voilà. Et je ma connexion internet. Donc là, c'est connecté. Et là, vous voyez, juste là, cette icône là, du cœur. Et là, ça commence à compter. Et aussi là, mais aussi la clé. Hein, la clé qui est là au-dessus. Et voilà, le message commence à entrer. Bonjour. Voilà, donc ma connexion internet est maintenant activée. Donc je disais, si ça ne compte pas, ça ne passe pas de 0 à quelques valeurs, ça reste seulement à 0, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste fermer l'application, mais aussi supprimer le cache. C'est ce que vous allez faire là, supprimer le cache et ensuite. Vous faites sortir votre poche de SIM et vous permettez vos cartes SIM, ok? Vous permettez vos cartes SIM. Donc si la carte SIM Vodacom était dans la poche 2, donc vous le faites passer à la poche 1 et la poche 1 à la poche 2, ok? Quand vous faites ça, vous insérez votre tiroir de SIM et vous recommencez d'ouvrir l'application, d'importer le fichier, d'ouvrir le point d'accès et ensuite vous cliquez sur le bouton rouge. Donc une fois que le compteur passe de 0 à quelques valeurs de bits, rassurez-vous que c'est déjà un bon signe. Donc vous aurez toujours, vous aurez à patienter jusqu'à ce que l'icône change à ce que vous voyez là. Donc c'était pour moi un plaisir de vous faire ce tutoriel. Quant à moi, je vous dis à plus.